fait, on essaye aussi de faire une cuisine régionale, un petit peu comme nos grands-parents y travaillaient, les produits. On a tout ça en avant. Prendre un petit peu les produits de la région, c'est bien, c'est un petit peu mon objectif aussi. Je vais me sortir le chou rouge, je dis voilà, s'il te plaît. Pardon ? Oui. Prendre place. Là c'est le chou rouge. Il est issu de la ferme également, hein, tous les produits. Donc voilà, on met le chou, un peu de saindoux. Voilà, on va se donner un peu de sel. Un petit peu de poivre. Voilà. On va laisser ça cuire pendant une petite heure. On fait une crème brûlée au pain d'épices et au whisky. Pain d'épices toujours pour rappeler un petit peu le produit régional. Voilà. On a la fameuse carbonade également. Alors, 3-4 heures de cuisson, des cuissons lentes forcément. Voilà, voilà. Maintenant, voilà, il faut laisser cuire. On va laisser fondre tout doucement. Voilà, tout ça, c'est des cuissons un petit peu à l'ancienne, parce que bon, c'est vrai que maintenant, dans les cuisines modernes, on travaille beaucoup en vapeur. Donc, je reste quand même classique sur ces produits-là, en sachant que le meilleur, c'est quand même quand ça mijote doucement et puis très longtemps. Voilà. On a commencé, l'aventure le 21 novembre dernier, en 2008 donc. Bon, c'est une aventure qui démarre très très fort. On a commencé, on a fini les travaux, on a mis 2 ans de travaux. On a fait ça en famille, donc avec ma mère, moi et mon père aussi, qui était là tous les jours lui. Moi, j'étais en train de faire mes études sur l'île entre deux. Donc on a fait ça, on a eu cette idée-là il y a quand pas mal d'années quand même, il y a déjà 3-4 ans, quatre ouais, facilement, 4 ans. Et bon, mon père a vu des étançons en bois comme ça à l'entrée d'une maison de retraite et puis c'est là que tout est parti. On avait en tête un estaminet pour cette adresse ici,
Et puis finalement, l'aventure s'est agrandie, le restaurant, la capacité s'est agrandie au niveau des plans, etc. Et puis on a développé ça, on a développé cette idée-là autour d'une galerie de mine comme ça, reconstituée, et puis que les gens puissent manger, recréer l'historique, et puis pas forcément de la fossette, c'est vraiment rendre hommage à tout ce patrimoine minier là, de la région. C'était important pour nous, parce qu'on est des amoureux de la région, c'est aussi pour ça qu'on a eu cette idée-là, je pense. Hein. Puis des gens d'ici aussi. Et les gens d'ici aussi, garder ce côté un peu chaleureux de la région qui se perd malheureusement, je pense, au fur et à mesure des années. Et non, je pense qu'on a vraiment, comment on a réussi notre pari un petit peu pour l'instant. On peut dire qu'on est satisfait de la réponse des gens et on est vraiment content de cette aventure-là. Voilà. Par rapport au nom du restaurant, quand on a cherché un nom pour ce restaurant, en fait, on s'est dit, la Fossette, elle est au bout du boulevard, c'est notre quartier, il faut l'appeler Alfossette, c'est tout, on n'a pas. Puis que les anciens mineurs puissent dire on va à Alpha 7 ou les que, comme quand on partait au travail, on allait à Alpha. Et puis Voilà, surtout pour les c'était jeunes reprendre ça. qui viennent ici, qui puissent se voir. Re C'était voilà, reprendre un peu au fond de la mine. voilà, c'est ça, reprendre un petit peu cette idée-là. Et puis tout est arrivé finalement aussi bien au niveau du nom que du décor, etc. Tout est arrivé en blaguant finalement, et puis ça s'est fait, ça c'est en 2 ans de temps, 2, 3 ans de temps, les travaux ont avancé, puis ça s'est concrétisé comme ça en fait. Hein. On s'est pas forcément pris au sérieux au départ. Pareil pour la galerie, le boisage et tout ça, on s'est entouré d'anciens mineurs, ils sont venus nous montrer des plans, comment il fallait faire, on a eu des conseils un petit peu de tout le monde, On même a des fait en mineurs. sorte de garder l'authenticité du décor, De de respecter. respecter au maximum Oui. le taillage, tout ce qui était au fond, en fait. On a fait en sorte de respecter ça pour pas décevoir les Voilà, mineurs. c'est ça. On savait que les mineurs qui allaient venir ici, ils allaient regarder si c'était bien fait dans les règles de l'art. Donc on voulait être OK, quoi. Fallait décevoir personne, c'est Et vrai en que. fait, bon. Mais vous travaillez en famille. Oui. Ouais, on travaille en famille. Ouais. Le fils, la mère, le père. Voilà, ouais. Les Voilà. travaux aussi, ça a été comme ça. Ouais. Mais c'est bien.